Bonjour mes amis. Aujourd'hui, pour les journaux, on va parler à propos de les personnages, characters. Je vais écrire ça pour toi. Personnage. Je vais écrire un petit visage. Un personnage peut soyez une personne, ça peut être même un animal. So, quand on regarde les histoires, qui est le personnage? Dans le livre qu'on a juste lu sur lundi, en Wank, le personnage, c'est une manchot. I wonder, is there a book that we've read in class that doesn't have a personnage? Let's look at a couple and we'll see if we can find them. No, David, on a lu ceci en septembre. Est-ce qu'il y a un personnage dans le livre No, David? C'est David. On va regarder un autre livre qu'on a lu ensemble. C'est Gerald et Rosie. Tu as un oiseau sur la tête. Qui sont les personnages? Gerald et Rosie. Mes amis, chaque livre qu'on a lu en classe, et j'imagine chaque livre à ta maison, a un personnage. A character. Maintenant que tu sais ça, je veux que tous tes journaux ont un personnage. Now that we know that, I want you to keep that in mind. I want every journal you have to have a character. Qui est-ce qu'on parle à propos de? Who are we talking about? I can't wait to see what character you include in your journal. Au revoir.